Bonjour, bonsoir à tous, on est de retour sur Hades. J'arrive pas à m'arrêter, c'est un truc de fou, ce jeu me rend malade. J'ai joué combien? 38 heures les 15 derniers jours. Et là vous voyez, on va faire l'épisode 9 et j'ai tout fait la même journée, les 9 épisodes. Ce jeu est exceptionnel. Bref, j'ai fait ma première évasion lors du dernier épisode grâce au minigun et grâce à Demeter qui m'a beaucoup aidé. On est reparti pour une run avec le bouclier. Et on va pas activer le pacte des âmes, on va faire une run normale. Donc température 0. Normalement ça devrait être plus simple de m'échapper maintenant, puisque j'ai débloqué pas mal de trucs qui me permettront de le faire plus facilement. Et j'ai pris l'artefact pour Ares en espérant tomber sur lui assez souvent. Impressive death dealer, my kin. For by my estimation, you have slain at least 1,000 souls down there. Souls mostly having died before, but still. Votre attaque applique l'état maudit, votre lancer crée une faille tranchante, votre élan crée une faille tranchante à votre point de départ. Comme c'est épique, je vais prendre ça. Mais on se rappelle la run que j'ai fait avec ça. C'est juste que j'ai pas envie de prendre un truc moins puissant. Donc il y a une clé et un portail de cœur. Je vais prendre le portail de cœur. Where am I? Within the underworld's quietest, most solitary, darkest abyss lies hidden evidence of the beginning of all things, of chaos, the most ancient sculptor that has shaped this world. I'd best take all the evidence I find. You have traveled recently beyond my senses, son of Hades. I persist here only in the fathomless depths. I know what lies out there, having created it. But I know nothing of what it is like right now. Do not tell me. I prefer to think of all the possibilities. Je viens de me rendre compte pour la première fois qu'il tient la terre dans sa main. C'est dire le bordel. Alors, soit j'améliore mon lancer, soit j'améliore la valeur des obsidiennes et des gemmes remportées, soit j'améliore mon assaut. Donc ce sera un de ces deux là, parce que le lancer je m'en fous un peu pour le coup. A chaque fois que vous utilisez votre lancer, vous perdez moins 5, donc ça ce serait facile. La vitesse de déplacement est réduite de moins 58. Je vais faire ça. Je n'utiliserai pas mon lancer. Et ça devrait se faire assez facilement. Même si je trouve une amélioration de lancer, faut quand même que je fasse ces combats sans l'utiliser. Plus d'obsidienne, des gemmes. Dommage qu'on ait pas le bonus maintenant, ça nous aurait servi. J'ai déjà fini. Plus 5. Alors, on a une grenade. Bon, ça améliorera mon truc de faille, malheureusement. Pas trop le choix. Si j'avais le choix, j'aurais tout pris sauf la grenade en vrai, mais. Il n'y avait qu'une pièce. Si possible, j'aimerais beaucoup que Ares me donne un truc qui me donne. Malédiction sur ma technique. Ah bah ça y est, j'ai déjà le bonus de chaos. Mon élan fait plus de dégâts. Faut pas que je m'en servirai des masses, à vrai dire. Ah, malheureusement je me suis fait taper à toute fin. Une clé et Aphrodite. Je suis vraiment pas un joueur Aphrodite moi. Ça pourrait me servir dans des situations mais sans doute pas avec le bouclier en fait.
wonder, dearest, why Lord Hades would have kept your mere existence hidden from us all this time. Perhaps he knew that, once you met us, you would stop at nothing to come seek us out. Votre technique est plus puissante et implique l'état affaibli. Votre attaque est plus puissante et implique l'état affaibli. Je vais faire ça sur la technique pour l'instant. En voyant comment ça va se passer pour la suite. Instantané, obtenez plus 25 de santé max sans restaurer de points de vie. Ça coûte 100, ça va. J'accepte. Arès. Hey, think I see a fish. Sorry, wrong chamber. And I'm locked in. Je m'appelle de lui, il est chiant. Lui. Oh, ça fait pas mal de dégâts la faille quand même. Hein. Arès. Vos failles tranchantes persistent plus longtemps et aspirent vos ennemis. Aspire mes ennemis, ça va être pété. Un petit poisson ? Fishing time then. Allez, j'ai tout le temps du monde. Non, tu meurs pas. Voilà. J'aime bien comme Zagreus rentre, il y a un mini boss qui spawn en face de lui. Eh, hey, je peux pêcher. The most violent wretches of Tartarus are sealed away even from other condemned souls. Their only visitors, those fool enough to attempt escape. Let's do this again sometime. Je prends Obsidienne en prio. Non, ça l'attire pas mal quand même. Alors, pardon. Ça fait des gros dégâts. On va pas se mentir. Merde, plein sur le piège. J'ai mes boss. Ouh, Charon. Mais j'ai pas assez d'argent pour Charon. Pas géré là, mais 17 gemmes. Ah, c'est vrai que on chope plus de gemmes et d'obsidienne grâce au bienfait de chaos. Plus de pièces vu qu'il n'y a rien d'autre qui nous est proposé. C'est vraiment le dernier truc que je prends en habitude des pièces. Ah, c'est un coffre qui me permet de regagner des points de vie. J'en ai 68 sur 110, j'en aurais forcément mieux que 68, hein, à moins que je foire complètement. Let's make this quick. Neuf restants. Un restant. Voilà, 73 points de vie récupérés. Et je suis full.
C'est génial les coffres à gold. À gold, à. À PV. Sisyphe. Bonjour. Prince, you've been gone for quite a while. Why? I heard tell you made it all the way outside. And I believed it for a while there. Yet here you are. What happened, might I ask? I made it out of here indeed, sir. I always said that I was leaving, but turns out there was good reason for me to come back. Not the least of which is visiting my friends from time to time. Well, I am certainly delighted to hear that, so long as you achieved what you set out to do. But what brings you back again this way? More than a social visit, I presume. You're right. I'm back because I'm leaving once again. Something I have to do if I get up there. Though I should be back before long either way, I guess. Going to try and make it out of here again and again, is it? Well, they say repetition is the key to mastery, Prince said. Now here. Oh, pardon. Je vais prendre des obsidiennes, de toute façon j'ai le bonus de chaos. Donc allez, 113 d'un coup, c'est vraiment pas mal. Le shop de Charon. Athéna, une grenade. Un vase. Ça c'était carrément moi. Le seul bonus d'Athéna qui me plairait maintenant, ce serait le renvoi, mais le problème c'est le renvoi sur le dash, mais je me sers déjà du dash autrement. Nice to meet you. Hey, you must be one of Meg's sisters. Nice to finally meet you. My name is Agrius. Not murderer, definitely not. Murderer. Look, I've done some things that maybe aren't great, but I am very, very sure I haven't murdered anyone. Merde. Murderer. C'est si fun, persécutrice des meurtres. C'est la pire pour moi. Elle réduit la taille du niveau. Oh. On s'est fait un petit affrontement de chevaliers en mode on se perce tous les deux. Allez, plus 96 d'obsidienne, c'est parfait. Et on a rencontré le dernier dieu octonien. Après ils disent dieu mais il y a même Zagreus dans le tas quoi. C'était la dernière des Zérinées. On ne l'avait pas encore rencontré. Et c'est celle que j'aime pas du tout rencontrer en général. Pour moi, vraiment, dans l'ordre dans lequel on rencontre, je trouve que effectivement Meg est la plus simple à affronter, ensuite Alecto et ensuite Tisiphone. Le prochain bienfait que vous trouvez sera de qualité supérieure, on prend. J'ai bien envie de vendre ça, je vais vendre ça. J'ai failli faire le con, heureusement le jeu n'a pas tenu en compte ce que j'ai fait. J'ai appuyé deux fois sur A en fait. Heureusement, ça n'a pas commencé à réorienter sur un des autres. Bon. Ma zone préférée, pas du tout. Un nectar, c'est bon ça. Ready for me.
Va dans le magma. Ça n'interrompt pas par contre d'être dans le vortex qui attire. Alors, excusez-moi, j'ai vraiment un problème parce que je me gratte l'oreille depuis un moment. No problem. Un petit nectar. Perfect. Un peu du Ares moi. Faut vraiment du Ares hein. Ou alors quelconque autre bénédiction qui me fera dire ok je pars sur ce dieu là quoi. Gagner 125, allez. Jusqu'à 125. J'ai mis trop de temps en fait. Oh Ares. Bon. Aphrodite, je m'en fous un peu, mais Ares. Putain, mais je suis désolé, ça me gratte de ouf. Ça se trouve, j'ai genre un cheveu dans le casque qui me. Légendaire. Vos failles tranchantes infligent de plus en plus de dégâts à chaque attaque consécutive. Plus 2 de dégâts par coup consécutif. Bah, je suis obligé de prendre ça du coup, c'est légendaire. Bon bah je vais être obligé de jouer au dash pour l'instant. Ouais. Forgive me, Aphrodite. Oh. Ça a pas l'air de faire autant de dégâts que j'espérais. Ah, en plein dedans. Ah, je suis utilisé un refus de ma mort. Merde. C'est quoi qui m'a touché? Ah, c'est une bombe. C'est la blonde de l'autre qui est mort. Non, putain. Très mauvaise run. Oh là 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 là. Aphrodite. So the truth is I'm a lover, not a fighter, dearest. So how about we call this matter put to bed and get on with our lives? Mm.
Tous les cœurs de centaures que vous ramassez sont plus puissants. On va se mentir, je vais en avoir besoin. Charon's offerings ahead, I guess. Alors tu vas te calmer, et c'est cool, je peux tout acheter, et Yares. Votre lancer crée une faille tranchante, je vais en avoir besoin de ça. Lorsque votre technique frappe un ennemi, vos deux prochaines attaques infligent plus 80% de dégâts. You must have a lot of stops around these parts, don't you, Charon, mate? Most of the dead are here in Asphodel, correct? I'll just have a look around. Il me reste 39 HP du coup maintenant. C'est vraiment la merde. Ah, la barge. Non mais quel con, je dash dedans quoi. Oh là 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 là. Très très mal là. Goddess Athena. J'ai pas donné de nectar à elle. I'm indebted to you, goddess, for all that you and your side of the family have done for me. Well, it simply isn't in my nature to allow such offerings to go unanswered, noble cousin. In turn, I wish for you to have this with my Avec mes compliments. Lady Athena, thank you. Pendentif de hibou. You've met your distant relatives by now. We don't all share the same demeanor nor see eye to eye, though all of us, I think, wish you the best. Votre attaque est plus puissante et peut effectuer un renvoi. J'en avoir besoin. Oh là là, j'ai que 23 HP, j'ai plus de refus de la mort. C'est vraiment une j'ai très très mal géré cette run malheureusement. Non, je déteste ces ennemis-là, je les déteste. Vraiment. On va crever la barre. Encore aussi à finir avec encore moins de d'HP que ce que j'avais. Ah, le pire c'est que je suis obligé d'aller voir Charon. J'ai que 148 gold mais je suis obligé d'espérer qu'il a un sandwich. Et il en a. That's better. Je peux rien acheter d'autre. Et c'est l'hydre après en plus. Bon. Essayons au moins de vaincre l'hydre. Mais je pense que malheureusement j'ai beaucoup trop mal géré cette partie. Thank you.
pouvez sortir votre tête de là, s'il vous plaît. Incroyable. Il est pas ouf son truc légendaire à Arès, hein, en vrai. Eh ben, je sais pas si c'était mérité. Ça aurait été chiant de louper les 192 obsidiennes là. Donc je suis content que ça passe. Ouais, c'était pas. Ouais, ça va. Oh. Bon, c'est pas grave, j'ai confiance, je tomberai sur Patrocle. J'ai envie de l'appeler Patroclos parce que c'est comme ça qu'il l'appelle en anglais, et ça me rappelle un perso de Soul Calibur. Dont le nom est certainement basé là-dessus d'ailleurs. Nice and cool up here. Oh, ils ont des chapeaux. Oh, ils ont des chapeaux. Hein. Zeus, ouais, mais Zeus, tu te montres toujours beaucoup trop tard. Hein. Oh, mais tu meurs, oui, s'il te plaît. Oh là 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 là. Je suis mauvais sur cette run. C'est moi, hein, c'est vraiment moi. C'est pas une question de build ou quoi que ce soit. C'est vraiment moi qui joue très mal là. Malheureusement. Ouh.
ça passe. Plus de l'amélioration d'Aphrodite qui fait que les cœurs sont plus efficaces. Je suis obligé d'aller voir Charon parce que j'aimerais bien avoir Hermès, mais j'ai vraiment pas beaucoup de points de vie. Et... oh, c'est nul. Frappe divine, c'est le truc dont je me sers pas, c'est ça? Notre attaque est plus puissante et plus future, ouais, c'est le truc d'Athéna, ouais. Oh! Bon bah, reset mon... bah alors, interromps pas ton dialogue parce que j'arrive. I mean, shouldn't you be up and about, competing for eternal pride and glory and all that? What's the use? Let's say we fought, if anybody asks. Now go. I've no quarrel with you. Besides, I'll just remain here comfortably at rest for some untold millennia, I guess. Have a night. Ah, mais pardon, mais à chaque fois j'interromps... à chaque fois que les persos font une pause, je me dis, ah, il a fini de parler. Eh ben, on reset. On a à nouveau deux refus de la mort. Déméter, ouais. More trouble. Là, tu reviens pas en deux secondes. Bon équilibre entre attaque et fight. À peu près comme ça. Oh, mais vous êtes sérieux? Il y a beaucoup trop de bordel. Let's have a look here. Ah, je suis obligé. Should come in useful. J'aime bien fait que vous trouviez ça de qualité supérieure. Ouais, mais non. C'est gentil, mais non. Bah dédale. Bien crever, s'il te plaît. Moi, tant qu'il n'y a pas de papillon à la con, je suis tranquille. Hein. Parce que vous parez une attaque, vos dégâts à votre vitesse de déplacement augmentent de 20%. 10 secondes, c'est vrai que je m'en sers pratiquement pas de... votre charge inflige plus 400% de dégâts à l'armure. Ouais, c'est forcément basé sur... bah je vais prendre... pareil une attaque ou dégâts... je vais prendre ça. Je me sers pas trop de la parade, mais... si jamais j'arrive jusqu'à... jusqu'à Hades, je sais que je m'en servirai. Je dash partout, ils arrivent à mettre des coups quand même, hein, les salauds. Peace and quiet. 76 gold.
gold ou Hermès. J'ai assez de gold pour acheter tout ce que je veux chez Charon la prochaine fois, donc Hermès. En plus une fontaine. Aphrodite is really something, don't you think so, cuz? Normally I'd stop for no one here, but when it comes to her, exceptions must be made. Votre attaque est plus rapide, lorsque vous subissez des dégâts, enchaînez rapidement avec un élan afin de récupérer une partie de la vie perdue. Ah, je passe mon temps à dash, hein, après tout. Pourquoi pas. Arès, enfin. C'est le temps qu'on t'attendait. Raté mon tir, oui, en effet. Si vous posiez la question. Ça passe pas mal. Héroïque, votre attaque applique l'état body. Je pense que je suis obligé de prendre ça. C'est héroïque, c'est héroïque. C'est la meilleure. Mon attaque fera moins mal. Sauf quand. Bah, ils se prendront le l'altération. Ah, c'est dur comme choix à chaque fois. Oh! Don't spend it all in one place, mate. Vos effets de malédiction infligent plus de dégâts, mais se déclenchent 0,5 secondes plus tard. Ou alors je peux prendre l'appel, mais. Votre technique applique l'état maudit, tu peux pas me proposer ça avant? Ça va faire encore plus mal. Non, je pense que ça c'est le mieux. Je pense que ça c'est le mieux. Donc à chaque fois que j'attaque, il sera maudit. Et quand il se prendra des dégâts de malédiction, ça fera bien bien mal. Sort d'agonie. C'est quoi sort d'agonie? Attaque applique l'état maudit. Parfait. Donc il se prend 176 de dégâts quand il est maudit. Plus 70% de 176, donc je dirais dans les 250 de dégâts à chaque fois que je fais une attaque, il se prend ça après 2 secondes à peu près. These two. The monster has returned in a vainglorious attempt to wrest the title champion from me. I couldn't care less about your title, though shouldn't you share it with the Minotaur? He's more than half the reason you've been in any trouble. You'll not drive a wedge between us, fiend. Asterius and I share a fraternal bond forged from the strongest bronze, nay, adamant. You have caused us both offense, so die. Ah, il a pas dit un mot, hein. Ah merde. Où sont mes
projectile. Il a foncé sur Thésée, ce studio. Yes. La malédiction d'Arès qui est... qui l'a achevé. 288 d'obsidienne, je me fais plaisir. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que à chaque fois que Thésée appelle un dieu, c'est un dieu qui ne m'a pas donné de bénédiction. Je trouve ça vraiment intéressant comme idée. Ça ira. Donc au final, si on s'applique bien, on peut faire énormément de dégâts avec cette technique. Ce serait super bien si j'ai moyen de retrouver un autre Arès. Sinon, on va se contenter d'essayer d'améliorer les compétences qu'on a pour le moment. Les failles tranchantes font beaucoup de dégâts. J'ai la chance d'avoir un truc héroïque et un truc légendaire. Ok, il n'y a pas d'Hermès en bas, de Arès. Et il y a un Arès ici, ça c'est parfait. Maybe this way. Et je comprends jamais comment il arrive à me trickshot, les enfoirés. Je dash de partout, mais ils arrivent à me toucher quand même. Ces ennemis-là, ils sont insupportables. Dans mon top 3 d'ennemis insupportables, t'as les satyres. Les autres étant le squelette qui te frappe dans le niveau de la lave, et bien entendu... l'amalgame de papillons qui est de loin le pire ennemi. What do we have? Ah, that's a relief. Je récupère beaucoup d'argent de toute façon sur le chemin, donc sérieux. Nice. In the name of Hades. Vos effets de malédiction infligent plus de dégâts lorsqu'ils sont appliqués plusieurs fois. Je me sens obligé vu le nombre de fois que je l'applique avec mon auto-attaque. J'ai que 143 points de vie, ouais, je me sens obligé de prendre ça. J'ai vraiment pas beaucoup de vie max et en plus... c'est con parce que Aphrodite m'a donné en plus la bénédiction qui augmente la valeur des cœurs de Centaure. Donc j'achèterai celui de Charon aussi.
que la faille ne voulait pas terminer. Oh non, pas toi. Tout sauf toi, enfoiré. Oh, il m'a niqué un refus de la mort, t'es sérieux. Ah là là. Quel ennemi à la con. Ah, je suis deg. Avoir encore une fois. This one. Faisons ça. Le problème c'est que ouais, quand il a l'armure il est instoppable. Une fois qu'on lui vire son armure on peut le frapper comme on veut et c'est bon. Voilà. Oh yes. Good. Good enough to eat. Je vais prendre ça. Les effets de malédiction affichent plus de dégâts mais se déclenchent 0,5 secondes plus tard. Now back to Cerberus. Down the chute. You must be hungry, huh? Ok, on va prendre. Et du lore. Not far from here, the dead begin their journey to their final resting place, down in the depths below. And so the river boatman Charon often passes through. Generous selection of his wares. Putain, c'est dommage que j'ai perdu un refus de la mort pour rien, mais bon. Why not? Votre attaque applique l'état maudit, ça me paraît indispensable de l'améliorer. Plus 33. J'ai 241 points de vie et j'ai 2 vies. Each violent countenance of Cerberus agrees the satyr sac must be destroyed. I can go. Cerber rempli de nourriture. Va falloir que j'applique malédiction très 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 souvent. Donc j'attaque, même quitte à l'attaquer une seule fois, je l'attaque. Une fois que malédiction est remise, je lui refonce dessus, je l'attaque, je me barre. Je vais pas arrêter de faire du kite en fait. I'm back, father. You now know that even if you are able to surpass me, you shall ultimately perish soon enough. And yet you still persist. Utterly senseless. I found her, father. And I'm going to find Mother again, and again, and again, until I have some answers, finally. She'd like some answers too, beginning with, why did you never tell her that I lived? You let her go and left her to her grief. Silence, boy. Save all your ignorant and baseless accusations. You seem incapable of heeding my request that you not blather on about a matter you shall never understand. Then I shall save my breath for this fight. Oh merde. Pour l'instant en combat il gagne 2-1 je crois. Enfin, sur cette partie. Ah mais je l'avais pas vu moi le truc là-bas. Eh j'ai déjà saoulé. J'ai oublié de... Virer le meunier.
prend 416 par malédiction d'Arès. Ça, c'est vraiment pas mal. Oh, j'ai des chauds moments là quand même. Ça me saoule. Oh là là, il y a trop de trucs, il y a trop de trucs. C'est insupportable que quand ils spawnent des mobs, ces mobs soient presque un job. Ah, ça c'est chiant aussi. Je déteste ce coup. Oh là 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 là. Elle me fait ça quand je suis au cac avec elle. Dernière chance. C'est qui m'a tué? Oh là là, mais il est... Il est rapide de ouf. Bon, j'ai eu sa première phase au moins. Your youth provides you with a certain mindless strength, but such power has its limits. We are not finished. Oh, je le fais pas dire. Oh là 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 là, oh là là, je me suis tellement fait avoir. Je me suis tellement fait avoir. Autant je l'ai mal joué, mais là j'ai pas eu de chance du tout quand même sur le truc. Ah. Bon, je ramène tellement de ressources. Je devrais me faire plaisir et rendre ça plus simple la prochaine fois. Ah, je suis deg. Parce que... Le refus de la mort que j'ai perdu contre la satyre là. Le truc c'est que le boss satyre, il te frappe trois fois avec son poison. Et le poison il fait super mal quoi. Et si on gère pas le boss hyper rapidement, c'est fini quoi. Here's the thing, I keep asking around about them and no one seems to know what I'm talking about. Could you maybe describe them for me please? Why don't you ask father when he's back? Orphée et Achille. You're much too modest, Lord Achilles, for someone with such a number of heroic deeds and glorious decapitations to his name. You ought to be more like ever boastful Zagreus and talk it up some more. Oh, fear not, Orpheus. I was quite boastful in my day. Would you look at where it got me? Besides, I've not the imagination to come up with tales as tall as those of our Prince Zagreus. What can I say? I try. Baladons-nous. I found a boy, my mother. Persephone, you remember her, don't you? She was pleased to hear about you. But I couldn't stay for long, and I have to find her again. So, guess I'll see you at the temple then. The ghoulish features of the much reviled Hound of Hell all soften instantly upon the mention of a certain name. Briefly then, the monster is at peace. Father's not back yet, huh? J'ai pas en acheté, j'ai pas chopé encore de nouveaux diamants. Nix, why did you never send word to mother that I lived? You knew at least approximately where she went. You and father, you could have spared her so much pain. I swore a binding oath never to say, child. I have already circumvented it as much as can be done. Know that we... that I acted with only her well-being in mind.
as well as yours. Deuce is probably cleaning the rafters. Y'a pas tout ça, y'a pas Meg. Here's the catch of the day, or night. 5 gemmes, so, c'est gratuit pour un petit poisson. Ah là là, je suis deg. Perdre contre Hades, c'est le pire à chaque fois parce qu'on se dit putain. I'm wide awake. Jusqu'au bout quoi. En plus, dernière phase. I guess this came to pass. Oh, j'ai gagné 10 clés. J'ai rencontré tous les souverains des enfers. Bah oui, parce que j'ai rencontré Tisiphone la dernière des sœurs. Est-ce que ça me permet de débloquer la suite du mur? Non, j'ai 12 clés, il m'en faut 20. Mais j'ai 809 obsidiennes, donc on va pouvoir prendre max poche profonde. Et voilà, on commencera maintenant avec 100 points de vie chaque truc. Parfait. Et il me reste encore 494 obsidiennes, et il en faut 1000 pour acheter le troisième refus de la mort. J'aurai sûrement les 1000 avant que j'ai assez de clés pour pouvoir débloquer les deux suivants. I should go. Bah il est où? Il est pas là, Thanos? Ça tombe bien, je voulais utiliser les points. Ready to go away. Malfon hungers. Let me give you a piece of advice, boyo. You run across a guy like me out there, you just give him a good stab right in the back without a second thought before he sends you crying back to Papa. I'll keep that in mind, mate. Non, ça. Malfon, I see everything you are. Chance d'esquive. Je peux passer à 5% de chance d'esquive. My aspect of Malfon grows stronger still. Je sais pas où je l'ai eu le. Ah, c'est quand j'ai vu Occultus, ça m'a donné un 100. 100 titans. Faut que je réfléchisse. J'ai envie de faire une run Zeus, mais j'ai pas l'artefact de Zeus. Déméter. Gagner 1% de chance d'esquive et de vitesse de déplacement à chaque fois que vous terminez rapidement un combat. J'ai bien envie de tester ça en vrai. Dionysos, Arès, Athéna, Poséidon. On va tester le truc d'Hermès. Gagner 1% de chance d'esquive et de vitesse de déplacement à chaque fois que vous terminez rapidement le combat. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je rush au début. Parce que déjà ce sera une dizaine de pourcentages qui seront donnés gratuits parce que ces combats peuvent être terminés rapidement. Ah là là, je suis déçu. Je vais pas encore faire une série de victoires. Mais allez. Je pense que dans la prochaine run, on gagnera suffisamment d'obsidienne pour pouvoir débloquer le troisième refus de la mort. Et à partir de là, je pense qu'on sera capable de gagner à presque toutes les runs. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je dis à la prochaine sur Hades.